Alors évidemment, nous sommes extrêmement flattés de cette invitation qui est en fait le résultat d'une vraie production littéraire marocaine. C'est-à-dire, on n'aurait pas pu inviter le Maroc il y a 15 ans. Il y a une vraie dynamique au Maroc, il y a une vraie ouverture, le pays a changé, ses écrivains ont changé, ils sont très nombreux maintenant. Younes Hajraï, l'organisateur, m'a parlé de 70 auteurs. C'est extraordinaire. Donc, la présence de tous ces auteurs qui n'avaient pas l'occasion de, qui ne sont très souvent pas publiés en Europe, c'est une chance extraordinaire. C'est une espèce d'échange pour les écrivains de langue arabe. Il y en a beaucoup qui viennent. Voilà quoi. C'est exceptionnel. C'est magnifique pour le Maroc et pour ça va être un échange entre nous. Et je suis extrêmement content de participer à cette grande messe culturelle. Alors évidemment, je vais présenter mon dernier ouvrage qui sera en librairie le 15 mars. Prochain. Donc on l'a sorti pour cet événement qui s'intitule Le Fou du Roi. Donc c'est un roman qui est encore tout chaud, qui sort du four et que je vais présenter au salon. Et ce qui est déjà magnifique, c'est que le livre va sortir dans un mois. Et j'ai déjà fait France Info, TV5, Le Monde Libre. C'est-à-dire, il y a c'est une chance pour nous, c'est une vraie chance parce que tout le monde s'intéresse, va s'intéresser pendant cette fois à la littérature marocaine. Et donc, je vais signer dans des librairies, je vais signer dans le salon. Voilà, je suis invité un peu partout. Et tous les auteurs, hein, on va être dispatchés, on va tourner en France. Voilà quoi, c'est une superbe opportunité.